Bah c'est Microsoft, attends. C'est Sony Bah Microsoft. d'ailleurs, c'est pour ça, cette manette elle est un peu frustrante, je sais pas si tu vois, le bouton start et le bouton share, en fait ils sont incrustés, regarde, ils sont en dessous du pavé numérique. Ouais, c'est les deux trucs lumineux chelous là. Enfin là, genre j'ai deux gueules lumineuses. Non, 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 là c'est juste le truc tactile qui s'allume, ça c'est normal. Mais concrètement, ben là, ce qui signifie que pour appuyer sur start, il faut que je tords mon pouce comme ça pour Ah. et suis pas pour appuyer sur le pad, tu vois. Ah oui, sur ta manette, parce que moi du Oui, coup sur la mienne, c'est non, sur la OK. mienne, non, sur la tienne, y a pas de souci. Ouais, OK. Tiens, prends une pièce. Bon, bref. Ah merde, non. C'est quoi déjà? Oups. Ah d'accord, il y a les abeilles qui nous. Les abeilles. Je crois que j'ai fait une connerie. Je peux pas les faire fuir avec une flèche dessus ou je sais pas quoi. Attends, parce que je vais peut-être éviter de gaspiller du mana, voilà. Ah, par contre, je peux. Attends, le temps de retrouver les contrôles. Oui. Youhou! Ah, c'est marrant, j'aurais cru que ça c'était une plateforme en fait. Attends, mais du coup, elle sert à quoi cette feuille là? Juste à t'éviter de prendre la douche, je suppose. Oui. Il y a un truc dans la caisse en fait, je suis en train de penser. Ah, tu crois que c'est ça? Bah, essaie de la casser pour voir. Ouais, alors attends, faut que je fasse autrement. Attends, par contre, faut que je me souvienne d'un truc. Qu'est-ce... Ah oui, qu'est-ce qu'on avait mis comme point? Ah, je peux pas faire de planche. Ah, bah oui, c'est vrai qu'on est tout au début en Ah, on fait. avait si peu de points de ça, j'étais persuadé qu'on en avait plus. Bah, en fait, le truc c'est que le 2, on vient de le commencer. Ah oui. C'est surtout pour ça, à mon avis. Alors. Bah, essaie de tirer dessus, ouais. Ou alors, essaie de. Voilà. Ok. Il Bah y a oui, rien dedans. s'il y avait ça. Ah, il y avait un truc, Il y avait une potion. Bon, vas-y, c'est le début du jeu, on est en mode cradin. Oups. Mais. Ah oui, c'est vrai, attends. J'avais oublié. Tiens, flèche dans les fesses. Ah, mais j'ai les flèches de glace de base. C'est une comp. Ah, bah voilà. C'est quoi déjà le menu comp? Bah, c'est le pavé, c'est le. Appuie, appuie. Ah, bah. Ok, d'accord. C'était juste pour. Flèche givrée, d'accord. Non, donc j'ai de base les flèches de glace. Je croyais que c'était comme l'autre avec les flèches de merde. Enfin, les flèches qu'il fallait Bah, je crois qu'il y a deux touches pour activer. tirer, non? Bah, en fait, j'ai le pad et. Bah, ouais, je pourrais tirer avec le pad, ce qui est chelou, mais regarde, de base, j'ai les flèches de glace, hein. Je peux pas les Ah, changer. ok. J'arrive pas à les changer. Bah, écoute, Alors, on va attends. se dire, on prend, hein, parce que bon. Je vais. Ah! Il y a une caisse qui m'emmerde. Ah, excuse-moi. Merci. Remarque, non, j'allais dire je peux la péter, mais non, je peux plus. C'était avec mes flèches de feu que je pouvais. Bon, j'arrive pas à escalader, ça m'agace. Mais non, mais sois pas aussi casse-burne, merci. Il y avait des trucs là-haut ou... Bon, je sais pas, j'ai pas l'impression. Là, oui, alors attends. Ah! Le piège, attention un piège. Oui! Quel con! Ça pique. Le retour des débuts. Voilà, c'est ça. Ah, attends. Non, je pensais pouvoir ouvrir le truc, j'ai vu qu'il y avait des trucs en bas. Ah! Ah! Mais nique! Ah ouais, mais c'est putain de louche, ça! Et c'est un chef pour les mobs. Clairement, oui. Mais nique! Je peux pas les geler, les ruches? En vrai. Moi, je veux que ça se tente. Non. Par contre, je peux juste les péter. Faut que je les pète. Ah! Alors, attends. On va faire un truc. Aïe. L'autre, voilà. Est-ce que je peux l'activer ou le. Non, je peux pas trop bouger avec. Mouche. Ah
Ah oui, ça. Okay. On patouille dans le marécage. Mais il s'est figé. Tiens, mangez vos pièces, bandits. Mangez vos morts. Aussi. Aïe, mais je comprends rien ce qui se passe. Bon, lui, il est mort. Alors, est-ce que vous arrêtez de bouger tous les deux? Attends, nia, nia. Voilà, reste au sol. Ce hachis de... Oui mais non. Cadeau. Waouh. Il a explosé de manière... dégueulasse. Non, j'ai cru que je pouvais activer un truc. Mais c'est bloqué, on fait le cas. Il va falloir casser. Alors attends. Voilà. Alors je sais pas où je vais, mais j'y vais. Parfait. La goutte. Alors attends, je peux peut-être pousser ça déjà. Attention en dessous, je sais pas où t'es. Non, bah, il va pas arriver sur la gueule, mais c'est pas grave. Je vois pas où t'es en vrai. Non, bah, en fait. Lol. Y'a plus rien là-haut? Non, bah. Ah! La caisse, ça. Ah, ah bloquer la. Ah, les flammes ou la porte. Bon, bah, j'y vais. Et puis, tiens, le. Attends. Yeah. Il y a un levier de l'autre côté ou quoi? Non. Faut peut-être que tu mettes une caisse sous la porte. Ouais. Donc je vais tenir le levier. Ou peut-être les deux en vrai. Parce que je sais pas si tu auras la place de passer. Je sais pas si c'est assez proche de la porte par contre. Allez, t'es retardé maintenant. Bon. Ah non, faut bloquer là-haut, je suis con. Parce que là en vrai si tu bloques là je peux pas passer. Non faut bloquer tout en haut en fait. Faut mettre les deux caisses là-haut. Alors fais gaffe aux flammes si t'enlèves la caisse du bas. Oui. Bonk. Ou alors tu mets une de tes caisses à toi là-haut, il y a moins que ça bloque. Attends, enlève le. Non. Essaye d'enlever le debout maintenant. Ah bah voilà. Pas besoin de s'emmerder en fait. Oui. Une caisse! Lol. Je saute sur cette caisse et elle meurt. Incroyable. Non! Je suis où? Allô? Merci. Ah oui, c'est vrai. Oui! Ah oui, ça c'est un truc, bah, je sais plus si je t'avais expliqué. En fait, sur la PS5, le temps avant il était tout le temps affiché. Ouais. Et du coup, là, en fait, par contre, il suffit que je reclique là pour voir depuis combien de temps j'enregistre. Ah, ça fait déjà 9 minutes. Ouais, ce qui fait que, bah, en fait, soit c'était dans Gridfall, que c'était chiant parce qu'il y avait la boussole en haut et que du coup, le temps était juste au milieu, du coup, je voyais plus la boussole. Chiant. Mais là, il y a eu, ouais, bah, depuis, il y a eu une mise à jour et du coup, c'est vachement mieux. Parfait. Bon, j'en ai un. Oh mon dieu, je suis Marie Monroe, regarde-moi, ma robe se soulève. Si. Attends, bah essaye de sauter, puis moi je vais tenir la plateforme pour toi. Ah, mais attends, y'a un tuyau, y'a un toyau là. Un toyau? Y'a un toyau là. Y'a un toyau? Y'a un toyau dans le coin, tu peux le soulever. Non. Ah ouais? Oui. C'est une pièce détachée. Ah! Oui, okay. Oui. Alors. Bon bah, nick. La tour
Ah si, tu peux l'enlever aussi. Je peux l'enlever aussi, mais par contre... Tu peux le mettre en bas. Pour quelle raison, je ne saurais dire. Ah oui, t'as moyen de faire pivoter les trucs aussi, c'est vrai. Oui. Ah non, attends. Ah mais on peut... Parce qu'on peut passer. Ok. Voilà. Boum. Et tout ça pour un bonus. Et oui. Mais on peut utiliser le Toyo. Alors comment qu'on va faire? Oui, ah, ça c'est... J'aimerais bien que tu arrêtes de bouger la caméra. Ça c'est pas con. Et oui. Par contre c'est vraiment pièce détachée... comment dire? Pièce détachée simulator. Ouais non, mais c'est surtout que j'ai l'impression que c'est branlant. Ah ouais? Alors en fait la façon dont c'est posé, on dirait qu'ils sont juste enfin, même pas accrochés. Bon les Toyo là. Regarde, déjà tu tapes dedans le truc il bouge. Allez, je vois. Bon, comment qu'on monte? Attends, j'ai une idée. Ah, saute sur le tuyau. Ah oui, mais du coup t'es coincé en bas pour l'instant. Moi je suis coincé en bas effectivement. Bon bah go, on va essayer. YOLO, non. Attends, ça a... Ah non, c'est toi qui soulève l'autre truc. Ah mais je suis con, en fait on s'emmerde pour rien. Pourquoi? Tu peux pas détacher le petit tuyau qui est tout en bas là et le mettre sur le truc qui est en, devant. Quoi? Là bon faut qu'on vire tout. Mais genre le tout petit tuyau qui est tout en bas, le droit. Tu peux pas l'enlever et le mettre sur le truc de gaz qui est là. Alors on en va. Là genre en gros tu refais ce que t'as fait là mais sur le tuyau de gaz qui est là. Ah bah oui. Et donc il faut le tout petit tuyau par contre je pense. Je sais pas s'il est détachable. Celui-là, là. Non, je viens d'essayer, je crois pas. Flic. Ah si. Ah. Parfait. Oui. Je vole. Ça fait bloc. Je suis sûr qu'en fait, on peut maintenir la plaque avec les deux tuyaux. Genre, tu t'en remets un... Bah, en fait, tu refais exactement ce que t'as fait juste avant. À mon avis, il y a moyen. Alors, si t'arrives à ressortir, tu vois. Ah, c'est dur la télékinésie, hein. Oh là là. Ah. Ah, putain. Décidément, quel professionnalisme. Ah. Ouais, on est un peu rouillé, c'est normal. Bloc. Bah, maintenant, j'aimerais bien que tu bouges, par contre, oui. Bon, non, moi, je m'amuse bien. Ah oui, par contre, je me suis mis du mauvais côté, quel con. Attends. Non, non, t'inquiète. Mais... non. Le traquenard. Non, mais vas-y, t'inquiète. Hein. Ah, punaise, t'as réussi à fixer les deux. Bon, c'est pas dans le bon sens, je crois, mais... Non, c'est clairement pas dans le bon sens. Ah. Et hop, magie, séparation. Maintenant, il va falloir soulever... Essaye de soulever déjà l'autre truc... Est-ce que tu peux soulever la plaque avec le Toyo avant de figer le Toyo? Ah, je crois que je sais ce que tu veux faire. Bah, alors si t'arrives à le choper déjà. Bah non, je peux pas parce que tu vois là ça se. Alors attends, est-ce que je peux moi le bouger avec le grappin? J'ai pas l'air. Flûte. Pourquoi est-ce qu'on a qu'un magicien? Ouais. Ah, j'imagine le jeu serait tellement facile si on en avait deux. Déjà qu'on arrive à rouler un peu sur certains trucs avec un magicien. Bon bah je suis prise au piège. Attends, hop. Vas-y. Oh shoot. Non c'est bon. Ah bah voilà. Bon, il nous manque un truc de chouf là. Ça quitte. Tes strats. Les vrais strats. Ah bon, par contre, là, c'est pas fonctionné. Ah, flûte. J'y étais. Voilà. Bloc. Hop, j'ai cru que j'allais tomber.
manquerait plus que ça. Qui c'est qui râle encore? Oh, niveau suivant. Mais oh, on se calme. On se calme, on se fiche. J'ai mouru. Merde. Je sais comment il va s'appeler cet épisode. Mais... Attends, c'est traumatisme crânien. Le Toyo, ça va être ça le titre. Le Toyo aussi. Le Toyo. Alors attends, du coup on a eu un point de... Oui. Un point d'emmerdement. Alors ça, ça coûte combien? Ça coûte 2. Et ça coûte 2 aussi, donc de toute façon, voilà. Déplacement fufu, ok. Bouclier givré, lancer de marteau. Est-ce qu'on pourra un truc là en vrai ou on s'en fout? La fufu, bon, comment dire? Ouais, autant dire que ça sert pas trop là. Regarde voilà. Ce qu'il y a quand même en bas pour voir s'il y a pas un truc après la fufu. Après la fufu, c'est. c'est déplacement furtivité ou grosse furtivité. Ouais, c'est quoi? Genre à faible gravité, je vole. Ah ouais, c'est ça, ça va être comme dans Mass Effect. Ah, tu peux faire une prison pour monstres. Trop drôle. Les pouvoirs. Donc, invocation de 3 objets, la planche, 4 objets, magnétisation, histoire que tout revienne à la gueule. Prison pour monstres, c'est marrant. Lévitation d'un monstre, je savais même pas que tu pouvais faire ça. Ah bah voilà, parfait. On va choper le monstre. Par ici, toi. Vas-y, défonce-le. Les vrais strats. Ah, mais là, c'est littéralement, je le tiens, tu le tapes, hein. C'est littéralement les vrais strats. C'est ça. Mais nique. J'ai vraiment l'archer, là. Je peux pas le sacrifier, lui, je veux ma voleuse. Attends, en attendant, je revérifie vite fait. C'est quoi ça? Flèche de feu, flèche glacée 2. Ah non, givré ou glacé. Ok. Flèche explosive, ça sent bon le traquenard. Champ à faible gravité, par contre, ça me fait triper. Alors, épée, bouclier givré, épée de feu, bouclier magnétique, ça c'était drôle. La charge. Le marteau qui fait tout péter, en mode Reinhardt. Et le bouclier volant. Hey, mais les niveaux max, ils ont l'air vraiment, vraiment intéressants. Attends, bouclier volant et magnétisation, les deux combinés, c'est Captain America. Ah oui. Bah, surtout, alors après, c'est con, hein, mais bouclier magnétique plus bouclier volant. Le combo pourri, tu sais. Ouais. Je prends toutes les caisses avec le bouclier, je les déplace. Parfait, on a plus besoin de magicien, en fait. Ah oui, ça se trouve, je peux le faire avec les Toyo, après. Avec les Toyo. Je vais faire bouger les Toyo. Je sais plus qui avait dit Toyo, mais ça me fait trop délirer. Trop livré. Oui. Vas-y, tire dessus. Vas-y, défonce-le. Tiens, je suis glacé dans les fesses. Putain de merde. Oh, une caisse. Attends, merde, je suis où, moi? Ah, je suis là. Vous êtes ici. Oui, oui, on sait, merci. Y'a pas de soucis. Bon. Et toi, tu peux passer par en haut? J'essaye, mais c'est... Wouah! J'ai cru que j'allais me faire brûler les fesses. En fait, non. Ah, ah, c'est toi qui a pris des dégâts. Ouais, c'est moi. Ben moi aussi. Ah mais non mais... Au secours! Je vais mourir! Attends. Nique. Oh mais j'en ai plein. J'en ai plein le feu. Donc nous disions... Mais flûte, j'ai l'impression qu'il y a une plateforme, il n'y en a pas. Je suis dégoûté de la vie. Dégoûté. Attends, il y a un truc là-haut. Attends, reviens. Voilà, je crois que je l'ai fait tomber.
Il y a un truc. Touche crâne. Putain, ça s'est bloqué en dessous, quoi. C'est quoi cette arnaque? Oh non, quelle horreur! Mais je l'ai manqué, c'est pas vrai ça. Allez, viens, tourne là. Ah, tu l'as figé, ok. Je l'ai. J'ai un truc sur la plateforme, en face aussi, je sais pas si t'as vu. Attends. Mais c'est pas vrai. Non, mais je te dis, on est niqué là, concrètement. Hein. Même par magnétisme, tu peux pas la choper. Bah, le problème, c'est que j'ai pas la magnétisme. Enfin, à part télékinésie de base, t'as pas réussi. Ah non, c'est la logie en fait. C'est la logie. Non, c'est pas bon, alors, logique. Est-ce que tu peux, avec le gros machin de merde. Attends, peut-être qu'il y a un passage en dessous, non? Mais non. Non, non, c'est. Ah, j'ai réussi. Ah, ok. Merci, le bouclier énorme. Les magouilles. Wow! Wow! Premier boss, tiens. Ah, dans la. Faut lui tire dans la bouche. J'ai l'impression que c'est vraiment ça en plus. Non, pas la langue, mais. C'est vrai, faut vraiment que je lui tire dans la bouche. Bon. Ou alors faut faire quelque chose avec les fruits là. Ah non, je sais. Je crois que j'ai compris. Ok. Alors, est-ce que je vais y arriver déjà? Vas-y. Non, mets-lui devant la bouche, voir si j'arrive à faire mon truc. C'est risqué, hein, mais. Nya! Tu veux la bonne caisse? Mange la bonne caisse, petite brune. Vas-y, frotte-lui le dos. Fais un petit massage des lombaires. Waouh, elle tombe à travers. Ouais, ok. Y a que la tête qui est à peu près solide. C'est trop chelou. Non, je pense qu'il faut réussir à sauter sur la langue et lui sauter sur le dos, un truc comme ça. Stratégie, magouille et compagnie. Bon. Ah et bah j'ai manqué et le. Ce n'est pas ce que j'ai vu de plus étrange dernièrement. Je veux le bonus. Je veux. Voilà. Alors, est-ce que tu peux y arriver, toi? Je crois que c'est vraiment ça. Hein. Oui, mais du coup, pour toi, ça se passe comment? Ah, si, c'est bon. Mes sandales sont toutes gluantes. Oh, pas bichonné. C'est ça. Y'a pas un truc sous l'eau, là? Oh. Ah, bah si, des deux côtés. Ah, bah fichtre. Attends, remonte parce que sinon on va se noyer. Pourquoi j'arrive pas à remonter, moi? Voilà. Comme ça, on va du même côté, ce sera des chevaux. Aller, en fait. Oui, mais. Voir, des ah, bah, toujours. Hein. Après, bon, si on s'en fout des bonus, faut que je fasse avec aussi. Parce que par réflexe, ouais, j'ai fouillé. En fait. Il y avait que ça. Hein. De ce côté-là. Je crois qu'il y avait à gauche et à droite aussi. Louf. Ou alors, c'est par là qu'il faut aller. Non, c'est trop chelou. C'est vachement loin. Ok, c'était par là. De fuck. Alors, il y avait quoi en haut? Non, s'il y avait pas, ah non, c'est un gros bonus! Non, c'est bon, c'est juste un gros bonus, il y a le coffre. Oh, ok. Un poème de collection. Oui. Putain. On dirait le philosophe de je sais plus quoi, on se bat les couilles, quoi. C'est bon, d'accord. La vérif. Toujours. Après, est-ce que le poème il me donne pas un truc genre des bonus ou je sais pas quoi? Je sais pas lui. À vérifier. Oui, parce que c'est ah non, d'accord, c'est. Ouais. Sous l'eau. Je crois que quelqu'un l'a mis au cul. Ah, flûte. Les abeilles. Ah bah attends, je suis con qu'on peut régénérer nos vies. Oh, mais vous allez nous foutre la paix, oui. Tiens, Mister Givre. Il
Ah, mon téléphone il fait un drôle de bruit. Voilà. Oh, mais c'est pas possible ça. Comment on leur manque de respect. Flèche dans le cul. Ah, toi t'as de la chance. Alors attends. Ah, oh, flûte, j'ai replongé. Dis donc toi. Tu te calmes. Tu te calmes, j'ai dit. Bah, en vrai, vu comme c'est parti, hein. Ils nous ont brisé les couilles. Et non, on leur a brisé les os. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ouah ! Bonus. Comme d'hab. Oh. Là, t'as tout cassé, bravo. Merci. Ah oui, non, faut que je tire vite pour éviter les flèches de glace. J'ai tout cassé aussi, avec une flèche. Il y a quoi, bon sang, là-haut ? Absolument que pique. Alors là, par contre, oui. Ah ! Non. Boeing. C'est un Boeing 747. Ah, fuck. Le feu. Ah, j'ai failli décéder. Dit-il sur le ton monocorde de des voix Amazon et compagnie. J'ai décidé de rester. Ah oui, ça me fait penser. Ouais. Est-ce que je sais pas trop si t'as découvert des mangas plus ou moins récemment, disons. Bah non. Mais est-ce que t'as t'es tombé sur des trucs un peu type Lovina ou autre qui pouvaient être intéressants à regarder? Pas de problème. Flûte. Bah il faut vous dire que je regarde pas de mangas. Hop, une petite douche de flamme, c'est gratuit. Ah, je me suis bouffé des pecs. Cette aventure est épique. Tiens, bouffe-toi ça. Les abeilles. Ah oui, alors ça, du coup, t'as pas la ref, mais... c'est à cause d'un pote à moi qui avait... enfin, qui avait participé à un spectacle l'année dernière, en fin d'année. Qui chantait une des chansons, comme ça, la chanson des abeilles, je sais plus de qui elle est. Mais genre, il le faisait d'une façon tellement ouf que... Ça nous est resté. Il y a un Toyo. J'ai poussé. Ah oui. Il y a un Toyo. Toyota. Je veux monter. Ce modèle, la Toyota. Ah. Attends, déjà, on va virer cette merde. Voilà, au moins on est plus embêté. Et comme ça, on a cramé la poiscaille. Pourquoi je peux pas monter, sérieux? C'est pas drôle. Ah, les bébules. Boing. Il y a un autre truc là à gauche. Ouais, je sais, j'essaye de monter depuis tout à l'heure, mais le grappin ne veut pas s'y accrocher. Alors, comment faire? Ah, bah, il y avait un toyo là aussi. Intéressant. Tiens. Là où je suis. Oh! Il a poussé la bubule. Donc peut-être qu'avec le toyo qu'on a mis pour bloquer la flamme, si on le met là, ça fera monter les bubules plus haut encore. Peut-être. Ah non, ça va gêner les bubules peut-être. Bah déjà remonte, parce que ça ne bloque pas. De toute façon, je vais monter avec la bubule. Boing, 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 boing. Boring, boring. La bulle, elle a poussé ton truc. Attends, il est coincé, coincé. Moi, je peux choper le tuyau. Mais c'est quoi, ça arnaque? Attends. Je suis chier, les connes. Vas-y, essaye. Voilà. C'est le végétal. Je suis végétal.
flop. Est-ce que ça pousse? Vas-y, pousse. Vas-y, pousse. Vas-y, somme. Vas-y, pousse. C'est-à-dire que ça marche que quick. Non, ça doit être avant. Il faut que je retourne avant. Par contre, la caisse de merde, là, on peut la mettre. Juste devant les flammes, je pensais. Parce que pour le reste... ça bloque ou pas? Ça bloque que dalle. Que nini. Je peux éclater des bulles. Oui. Quel est l'intérêt? Absolument aucun. Je veux le bonus. Bon, tant pis, hein, ça me saoule. Ah bah voilà comment orienter les bulles. Attends, y a pas un passage là en vrai? Peut-être des tuyaux là aussi en vrai. Je vois une foule de gaz. Boum. Ah oui, mais en fait, tu peux peut-être tricher. Je suis en train de penser avec les bulles. Tu peux pas les orienter avec le tuyau. Genre, même si on est dessus. Si tu fais glisser le tuyau en dessous, c'est. Ah! Zut, j'ai manqué mon taxi. Des stratégies de l'enfer, du fiac. Attends. Je suis coincé. Voilà. Est-ce que tu peux englober la bulle d'en dessous et la faire bouger? Ça marche ou pas? Ça, ouais, d'accord. Ça fait lâcher prise. Et le toyo est encore coincé. Ah, mais merde à la fin. J'en ai plein plus. Ouais, non, quand je suis dessus, ça lâche le tuyau. C'est comme si j'étais monté sur le tuyau directement. Pourquoi tu voulais aller là, en fait? Juste pour choper les bonus, mais... Ah, oui. Alors, l'autre côté, ça me semble de... Ah, risky. J'essaie de t'accrocher à ça. M'accrocher, non, mais je pourrais sauter dessus vite-off. Si je me foire pas. Nickel. Tout ça pour de la merde. Ouais. Bon. Allez. Les bulles. Attends, on va voir si la caméra bouge, mais en vrai, je crois qu'il y a que dalle. Si, il y a des objets là. On peut pas rentrer. Ah, mais je suis bête. On peut pas rentrer parce qu'il y a il y a les gaz. Ah, mais attends. Je peux pas. Non, pas forcément non. Et non. Par contre la boîte, il y a peut-être un. Si t'arrives à la choper, je sais plus où elle est. La quoi? Le gros truc. Ah non non, ça va bloquer aussi. Non, ça va bloquer aussi, j'ai rien dit. Mais oh, ça presti. Bon. Allez, chacun sa bulle, chacun son chemin. Nick. Voilà, encore, je peux plus choper le tuyau. Bonne question. Au moins on a le portail. Et on a un niveau. Donc tu pourrais peut-être faire des planches. Ah ouais, là vraiment. Les caisses, il y en a là. Je pige pas le délire avec ce bonus de merde. Mais tant pis.
Y'a plus de bulles. Attends, et le, ils ont pas cassé le jeu à ce point-là. C'est pas juste parce qu'il y a tes caisses. Attends. Ah voilà, si, c'était à cause des caisses. Bah mais pourquoi t'as descendu toi aussi Je suis tombé. Déjà pour du tuyau, s'il te plaît. Non mais y'a pas besoin. Regarde ça, ça déplace les bulles et tout, c'est cool. Bon alors là par contre j'ai... Bonk. Vas-y, enlève-le, enlève-le. Je pense qu'on en a rien à foutre. Sur ta putain de bulle. Non mais c'était pour toi aussi. Oh putain. Mais on en a même pas besoin du tuyau en vrai. Tu peux le foutre en l'air, hein, je pense. Bon, ça va plus vite. Non mais sérieux. Ah mais Nick. Enlève-le carrément. La strat. Allez, bouge. Bouge la bulle. Allez, le vent. Oui, bon, ça va plus vite. Ouais, ouais. Ah merde, elle explose, mais sérieux. Il saute sur la bulle. Sans bouger, parce que j'ai l'impression que ça l'a fait péter. J'ai pas compris ce qu'il a fait exploser, celle d'avant, mais ok. Voilà, cette fois on se coupe pas. Suffit. Non, mais là, du coup, comme t'es là-haut, il y a plus de bulles. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors attends, il y a pas un truc activé ou je ne sais quoi là ? Alors c'est parce que je suis trop près du point. Alors redescends pour voir. Non, c'est bon, rien. En fait, c'est peut-être, ouais, parce que je suis trop près du point de contrôle et du coup, le jeu, il décide de pas envoyer de bulles. Un peu plus stable parce que là je pense que tu feras pas le saut. Je lui ai mis un watch-out dans la gueule ou quoi? Mais. Ah, mais attends. Ah, yo! Bon, ça commence à m'emmerder. Voilà. Alors attends, est-ce que le point me permet de... Voilà. À un moment, ça suffit les conneries. Ah, les abeilles. Alors du coup, j'ai deux points. Ouais. Trois objets ou deux, ou les planches. Et puis après, on verra pour les autres zigotos. En vrai, il y en a un vu que... Aïe, il y en a un donc, vu qu'on l'utilise pas, je limite, on peut attendre. Pour le chevalier, carrément. Vas-y, utilise le levier du coup. Ouais, je voulais récupérer le bonus, tant pis. Ça fait quoi ? Alors là. Ah, ok. Ah bon, attends. Ah, bah attends, bah. Non, mais j'ai perdu des vies aussi, de toute façon, moi. Quoi. Bon, en fait, il y a des abeilles. Ah, d'accord. Ah, il faut que tu fasses mumuse avec les Togo. Alors, si je lâche, est-ce que tu vas te le reprendre dans la gueule? Je crois bien. Oui. Plop. Ah oui, tiens, ouais, comme ça, tu crames les... Reste pas en dessous, par contre. Ouais, ressort, parce que si je lâche... Ouais.
Voilà, a plus les abeilles. Alors attends. Ah, j'ai pris. Ah tiens. J'ai rien pour m'accrocher. Il y a clairement plus au-dessus. Parce qu'avec, tu pourrais m'envoyer un toyo. Voir si ça, si t'arrives à la gripper là-haut aux flammes. Ouais, ça passera peut-être pas, mais. Bah vas-y, mets-le vers le bas. Parce que vers le haut, c'est là où je vais aller. Voir si j'arrive à grimper dessus. Mais. Tout à l'heure. Plop. Allez, fais plop. Bah c'est pas grave, vas-y, je le tiens. Alors attends. Ok, je suis passé et il n'y a plus rien d'autre. Ah si, regarde là-haut. Je peux le mettre dans l'autre sens, je viens de capter. Si tu le mets vers le haut, je viens de voir qu'il y a un truc. Enfin, il y a un deuxième truc pour l'enclencher, je crois. Pourquoi il s'accroche pas ? Je sais pas. Ah, ok, j'ai pris des dégâts quand même. Parce que si tu regardes, quand j'étais là-haut, il y avait vraiment la continuité. Donc normalement, si tu le mets, il devrait tenir. Un énorme nid bloquait le passage. Oui, non mais... Il devait bien y avoir un moyen de le franchir. Non mais on s'en fout de ça ! Merci le jeu, mais on vient déjà de le passer, en fait. Bon, la journée entière dans la boue. Bon, bah, ça se voit, mon adieu le bonus. Mais je suis où ? Cette fleur a parlé. N'importe quoi. Les fleurs ne parlent pas. Pouvez-vous m'aider ? Non. Bien sûr, madame la fleur. Ouais. Trouvez ma sœur de l'autre côté de ce marège. On cherche une autre fleur ? Mais what ? Ne vous inquiétez pas, madame la fleur. Allons-y. Les héros s'étaient retrouvés dans une forêt magique. Pontius avait été très impressionné par la fleur à la voix de femme qu'ils avaient rencontrée. Oh là là, pour le cerveau trop bas. Cette fleur ne pouvait être qu'une sorte de farce enchantée. Zoya, quant à elle, avait pensé « On verra ». J'aime bien parce que le magicien, après tout ce qu'il a vécu dans la 1, il est toujours pareil.